quand tu aimes, tu comprends, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit ton éducation, tu peux comprendre les êtres. Avec le cœur, il y a quelque chose de l'empathie qui est très, très puissant. Et quand tu as le cœur ouvert, alors tu es empathique et tu peux comprendre l'autre malgré toutes ces différences. Et pourquoi tu le comprends? Parce que tu peux rentrer à l'intérieur de lui. Et le cœur, il a vraiment cette force et cette capacité de rentrer à l'intérieur des choses et des êtres. Pour déceler quoi? Eh bien, l'âme. Bonsoir à tous. Je vais vous parler du cœur. Et pourquoi le cœur est aussi important, selon moi, dans la constitution de l'être humain, spirituel, mais aussi et surtout dans sa construction et dans son développement. La plupart des épreuves et des difficultés que nous rencontrons dans notre vie sont, pour moi, dues essentiellement à notre non-maîtrise de nos émotions. Il y a le corps physique et la volonté. C'est vraiment un corps pour nous les Esséniens. Ce n'est pas seulement un organe, le ventre. Ce n'est pas seulement une force, la volonté. C'est aussi un corps, une intelligence, une organisation. Et il y a également la tête. La tête et la pensée. C'est tout aussi complexe, structuré et organisé que le ventre. Mais au milieu de ces deux mondes, la volonté et la pensée, le ventre et la tête, le corps physique et matériel et le corps spirituel de l'être humain, il y a un monde unique et très spécial, c'est le cœur. Le cœur, il est à la fois un traducteur et il est aussi celui qui va, au fond, équilibrer. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. C'est cette force du cœur qui équilibre les mondes. Le ventre ne peut pas communiquer directement avec la tête. Et la tête ne peut pas dialoguer avec le ventre. Pour pouvoir dialoguer, communiquer et se comprendre, ils ont besoin l'un et l'autre du cœur. Le cœur comprend parfaitement les intelligences et les désirs du ventre, mais il comprend également les désirs et les souhaits de la tête. Le cœur a tous les langages. Le cœur peut communiquer avec tout le monde et surtout partout, dans tous les mondes. C'est vraiment le langage de l'âme. Le langage de l'amour. Quand tu aimes, tu comprends, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit ton éducation, tu peux comprendre les êtres. Avec le cœur, il y a quelque chose de l'empathie qui est très, très puissant. Et quand tu as le cœur ouvert, alors tu es empathique et tu peux comprendre l'autre malgré toutes ces différences. Et pourquoi tu le comprends? Parce que tu peux rentrer à l'intérieur de lui. Et le cœur, il a vraiment cette force et cette capacité de rentrer à l'intérieur des choses et des êtres. Pour déceler quoi? Eh bien, l'âme. Il y a tout un réseau qui relie le cœur avec la tête et avec le ventre. Je ne vais pas le représenter aujourd'hui. Ça sera le sujet d'étude d'un atelier que je suis en train de préparer avec mon équipe
fin mai, début juin, au Québec et en France. Mais là, ce que je veux te partager, c'est vraiment cette notion, en fait, de l'importance de pouvoir gérer nos émotions et de pouvoir maîtriser nos sentiments. Parce que le cœur, il vibre. N'importe quelle situation qui arrive, n'importe quel événement, n'importe quelle parole, tout ce qui va aller vers toi va te faire vibrer. Soit tu vas trouver ça agréable, soit tu vas trouver ça désagréable. Peu importe, tu vas vibrer. Et il y a des choses que tu vas rejeter et tu vas être en mesure, tu vas être capable de comme fermer les portes en disant « Ceci ne me regarde pas, cela ne m'intéresse pas ». Mais il y a des choses qui vont rentrer à l'intérieur de toi et qui vont toucher ton cœur. Et c'est à ce moment-là que réellement, tu vas commencer à vibrer. C'est pour ça que j'aime donner cette image du cœur qui ronronne. Le cœur, il est comme enveloppant. Le cœur, il aime toucher, il aime prendre dans les bras les événements, les situations de notre existence. Et comment il fait pour prendre dans les bras ces événements? C'est à travers la vibration. Dès qu'il y a un événement qui va te toucher, le cœur donc, il vibre. Il vibre en haut, il vibre en bas. À travers ces vibrations de plus en plus grandes, eh bien, le cœur va rentrer en résonance et en contact avec ta pensée et puis ta volonté. Vibrer, ce n'est pas forcément positif. Des fois, tu vibres trop. Tu vois, quand tu es à fleur de peau, tu es trop sensible. C'est comme la médecine, c'est comme la santé. Tu vois, un remède, c'est une question de dosage. Il y a le poison et il y a le remède. Mais selon le dosage, alors ça devient un poison ou ça devient un remède. Eh bien, pour le cœur, pour les sentiments et pour les vibrations, c'est exactement la même chose. Si tu vibres trop, ça peut être négatif. Si tu vibres pas assez, ça peut être négatif. Et c'est ça donc que vraiment je vais exprimer à travers ce schéma qui est derrière moi. Si tu vibres trop, ici dans la volonté, tu vas devenir impulsif. Tu vois, tu vas réagir. Quand on est à fleur de peau, qu'on est trop sensible et que nous n'arrivons pas à gérer nos émotions, quand nous nous laissons submerger par les sentiments, alors nous sommes et nous devenons impulsifs et dans la réaction. Ça, la réaction, c'est vraiment un signe que tu dois réussir à déceler dans ta propre vie et existence qui montre que tes sentiments ne sont pas suffisamment maîtrisés et que du coup, tes sentiments ont submergé ta volonté, la réaction et l'impulsivité. Et tu le sais au fond, nous le savons tous, qu'il n'est pas sage de réagir. Donc la réaction, c'est un signe d'une trop grande vibration, c'est un signe de passion. Tu vois, quand on dit que le cœur vibre trop, c'est que tu mets trop de cœur. Tu laisses le cœur t'envahir. Le cœur, il doit être dans un équilibre juste, intègre, droit et moral. Le cœur doit être dans des valeurs équilibrées. Ni trop, ni pas assez. Sinon, c'est le déséquilibre. Et ensuite, et alors, il y a des manifestations jusque dans ta vie quotidienne qui se révèle. Beaucoup des problèmes que nous vivons et que nous rencontrons viennent en vérité de nous-mêmes. Mais si nous allons plus loin, les problèmes et les difficultés que nous allons rencontrer dans notre vie viennent de ce manque de maîtrise des sentiments et des émotions. Donc la réaction, on le sait tous, ce n'est pas la sagesse. Jamais il ne faut réagir.
Il y a d'un côté la réaction, c'est quand il y a trop de cœur, trop de passion. Mais il y a autre chose. Quand il n'y a pas assez de cœur, quand il n'y a pas assez de passion, dans ta volonté, ça va s'exprimer à travers, eh bien, l'opposé, c'est-à-dire une inactivité. C'est l'inaction. Tu ne vas plus avoir le goût. Tu ne vas plus avoir de volonté. Tu n'en as pas assez. Soit nous avons trop de volonté, qui exprime donc un trop de passion, un trop de cœur dans ce que nous allons faire, soit au contraire, il y a un manque de volonté et qui révèle justement que nous n'avons pas assez de cœur, dans le sens où nous ne mettons pas assez de passion dans ce que nous faisons. Par exemple, nous nous levons le matin et nous n'avons pas envie d'aller au travail. Il nous manque la passion qui nous anime pour pouvoir accomplir notre travail quotidien. Donc déjà au niveau de la volonté, tu vois s'il y a trop de cœur, s'il n'y a pas assez de cœur, tu vois à quel point ça peut impacter ta vie. Mais ce n'est pas tout. Quand tu as trop de cœur, trop de passion, et que en fait ça déborde dans ta tête cette fois-ci, alors il se passe quelque chose dans la pensée qui est la rumination. Nous allons commencer à ruminer, nous allons commencer à être insomniaques. Pourquoi ? Parce que justement dans notre tête, il y a une trop forte, une trop grande activité due à notre passion, à notre cœur, qui n'est pas assez contenue. C'est la rumination. Et ça nous est tous arrivé à un moment donné de ne pas réussir à nous endormir parce que nous pensons trop, nous tournons en rond sans cesse dans notre tête des conversations, des moments, des situations que nous aurions aimé vivre ou au contraire que nous aimerions revivre pour rectifier. Tu vois, cette idée de la rumination, c'est parce que justement, nous avons été touchés par notre cœur, nous avons été submergés par nos sentiments et nos sentiments débordent dans notre pensée et du coup, tu vois, on tourne comme cela en rond. C'est terrible, hein? Mais tu vois que encore une fois, même dans la pensée, c'est dans le cœur que ça trouve son origine et sa source. Par exemple aussi, ici, au lieu que ça soit la rumination, je peux te donner un autre exemple. Quand tu es trop plein, que tu es dans des certitudes, c'est quand tu es trop passionné. Tu es tellement passionné que tu ne peux pas t'imaginer que ce que tu penses et ce que tu crois puisse être remis en question. Et nous le disons très bien, nous ne pouvons pas remplir une coupe pleine. Quand tu es trop passionné et que ça déborde dans ta tête, c'est ta coupe qui est pleine. Et du coup, tu ne peux pas être capable de recevoir comme l'inconnu, de recevoir la nouvelle compréhension, de recevoir la nouvelle vision qui va te permettre de t'ouvrir et de t'élargir encore plus. Parce que cette idée de la pensée dans quelque chose de noble et de digne, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir accepter et de pouvoir accueillir l'inconnu. Mais quand tu es trop plein, quand tu es trop passionné, quand tes sentiments te submergent et montent jusque dans la tête, même quand l'inconnu vient, même quand la sagesse s'approche de toi et te touche, tu n'es plus capable de la voir, de la sentir et de l'accueillir. Donc ça, c'est le trop de cœur, le trop de passion dans la tête. Mais il y a aussi, à l'opposé, pas assez de cœur et pas assez de passion dans la tête. Quand tu n'as pas assez de cœur et de passion dans la tête, là en fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors tu vas être crédule. Ici, tu vas être incrédule quand tu es trop passionné et quand tu n'es pas assez passionné, ici, tu vas être crédule. C'est-à-dire que tu vas croire à tout ce qui s'approche de toi. J'aimerais comme t'exprimer peut-être la clé, la synthèse de ce que je viens te dire. Il y a vraiment des processus qui se passent dans la pensée, dans le cœur et dans la volonté, à travers toute une circulation, à l'image du système sanguin.
Parce qu'il y a tout un renouvellement dans le sang. Le sang circule et il va se nettoyer d'abord dans les poumons et ensuite il va comme se détoxifier dans le foie et après il circule comme cela et il emmène l'oxygène dans tous les organes du corps humain. Et cette idée d'oxygène est très importante. C'est une idée de respiration. Et il y a deux types de respiration. Il y a une respiration ici, entre le cœur et la tête, entre les sentiments et les pensées, et il y a une autre respiration en bas, entre le cœur et le ventre, entre les sentiments et la volonté. Et qu'est-ce que c'est une respiration ? Une respiration, c'est un échange. Tu ne peux pas appeler respiration la respiration s'il n'y a pas l'inspiration et l'expiration. Là, il y a l'échange, il y a la communion, il y a le dialogue. Et c'est de ce dialogue-là dont on parle. S'il n'y a pas de respiration ici et ici, alors tes sentiments vont te submerger. Et tu vas être soit dans la rumination et dans l'incrédulité, où au fait tu ne vas jamais te remettre toi-même en question, soit au contraire, tu vas être dans la crédulité, dans la naïveté, et tu vas croire tout ce qu'on va te dire, tu ne vas plus avoir d'esprit critique. Et dans la volonté, si tes sentiments te submergent, soit tu vas réagir, tu vas être dans une impulsivité, c'est-à-dire que dès que tu vas vivre un sentiment, tout de suite tu vas le manifester et le faire apparaître, soit au contraire, si tu n'as plus de sentiments, si tes sentiments et ta passion est en train de s'éteindre, ça ne va même plus pouvoir se manifester, tu vas tomber dans l'inactivité et tu ne vas plus rien n'accomplir. Mais il y a donc un équilibre dans tout ça. C'est l'action. Il y a bien une différence entre la réaction, l'action et l'inaction. Et il y a dans la pensée la réflexion. Et la réflexion, c'est un équilibre. Parce qu'il y a la réflexion. Et il y a cette idée de ne plus réfléchir, l'irréflexion. Trop de cœur, surréflexion. Trop de cœur, réaction. Pas assez de cœur, inaction. Pas assez de cœur, irréflexion. Et c'est ça que je veux te montrer. Regarde. L'irréflexion, il n'y a plus de filtre. C'est comme quand on dit, ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Tout de suite, en fait, tout ce qui va arriver, tu vas être grand ouvert, tu vas le prendre. Tu ne vas même pas pouvoir le digérer, l'assimiler. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire réfléchir. Réfléchir, c'est quoi ? C'est peser le pour et le contre. Si tu n'es pas dans la réflexion, si tu ne pèses pas le pour et le contre, tout ce qui s'approche de toi rentre à l'intérieur de toi immédiatement. Et dans la volonté, c'est exactement la même chose. Il y a une sorte de polarité. Je ne sais pas si je vais réussir à te le montrer ce soir et à te l'exprimer parfaitement. Mais nous pourrons développer tout ça plus tard. Il y a une sorte de polarité. C'est-à-dire que cette idée où il y a tout qui sort de toi, où il y a tout qui rentre de toi, sans filtre, sans réflexion, sans discernement, en fait, c'est quand il y a trop de cœur dans la volonté, pas assez de cœur dans la pensée. Et à l'inverse, quand tu n'as pas assez de cœur dans la volonté, il n'y a plus rien qui sort de toi. Il y a une sorte de frontière, il y a une sorte de porte qui est fermée, qui est hermétique et cadenassée, et plus rien ne sort de toi. Tu gardes tout à l'intérieur de toi, au point de tomber malade.
Et du coup, ça crée des pressions et des dépressions à l'intérieur de toi, des tensions en toi, de l'anxiété aussi, beaucoup de choses, du stress, etc. Et à l'inverse, ici, quand tu es dans la surréflexion, dans la rumination, l'inconnu ne peut plus venir. Et ne peut plus rentrer à l'intérieur de toi. Tous ces procédés, tu peux les voir, les discerner dans tous les domaines de ton existence et de ta vie. Et la source et l'origine de tout ce que nous vivons, bien souvent, vient de ce manque de maîtrise du cœur. Tu ne dois pas empêcher le cœur de vibrer, mais tu dois maîtriser ces vibrations du cœur pour qu'elles ne te submergent pas. Même, je dirais, tu ne dois pas empêcher le cœur de vivre des sentiments, des sensations. Toi-même, tu ne dois pas empêcher d'avoir des sentiments, mais tu dois pouvoir réussir à les contenir, à les maîtriser, à les poser. C'est pas la question de ne jamais être triste, même au contraire, fais l'expérience de la tristesse, mais te laisse pas submerger par elle. Et même, ne te laisse pas submerger par la joie. D'être dans une joie euphorique, ce n'est pas une bonne chose. Ici, tu vois, il y a justement la tristesse qui te submerge et tu es dans la réaction. Mais tu peux très bien mettre une vertu ici, la joie, qui est en apparence donc positive. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si tu es dans une passion de la joie non maîtrisée, que tu rentres dans une sorte d'euphorie, ce n'est pas positif. C'est vraiment cette idée de gérer les émotions. Et si au contraire, tu ne vis jamais la tristesse, parce que justement tu ne vis aucune sensation, aucune émotion, tu vas tomber malade également et tu ne vas pas pouvoir exprimer la tristesse. Et si de toute façon tu n'exprimes jamais la tristesse en toi, dans ton cœur, si tu ne laisses pas des fois ton cœur être touché par les événements de la vie qui souvent, eh bien, vont venir vers toi à travers n'importe quel sentiment et sensation. Si tu n'acceptes pas cela, que des fois la vie va te toucher à travers la tristesse comme elle peut te toucher à travers la joie, tu vas tout fermer, tout bloquer, les énergies à l'intérieur de toi vont commencer à être coupées et qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, tu vas tomber malade. Parce que ça, c'est une notion qui est importante pour moi et que je répète de plus en plus souvent dans mes vidéos et mes conférences. Il y a la maladie physique. Nous la connaissons tous. Il y a des médecins pour ça. Il y a un ordre de la médecine pour cela. Mais il y a aussi des maladies mentales. Et nous les connaissons aujourd'hui. Et nous commençons à les accepter, nous commençons à les connaître de plus en plus. Et il y a aussi des médecins spécialisés. Mais je te garantis qu'il y a des maladies spirituelles, des maladies qu'on ne connaît pas encore et qui peuvent être dites spirituelles. Et de ne pas maîtriser nos émotions, bien sûr, ça a un impact sur notre santé mentale et psychique, essentiellement. Bien sûr que ça a des répercussions sur notre santé physique et sur notre vie quotidienne et matérielle. Mais ça a aussi une source spirituelle. Et c'est de ça dont je veux te parler. Si tu ne maîtrises pas ton cœur, si nous ne maîtrisons pas nos sentiments, nos émotions, alors nous allons tomber malades. Physiquement, c'est possible. Psychiquement et mentalement aussi. Et également spirituellement. Quand tu commences à déceler dans ta vie, à travers les situations et les événements que tu rencontres, cette idée, cet enseignement, cette observation de ton cœur et des sentiments et des vibrations et des émotions qui trouvent leur source dans ce centre spirituel du cœur, tu vas voir que tu vas pouvoir commencer à régler des problèmes de ton existence. Ce n'est pas quelque chose de magique comme quelque chose d'extraordinaire. C'est juste une conscience de soi, une observation de soi. C'est juste ça.
Juste ça. Il n'y a pas de méthode miracle. Quand tu commences à maîtriser ton cœur, tes émotions, tu te rendras compte que bien souvent, il t'arrive un événement dans ta vie, il suffit juste de faire un pas de côté. Des fois, et bien souvent, il suffit juste de laisser les choses se poser. Il y a vraiment comme quelque chose de la responsabilité, de la dignité, de la conscience. C'est très très important. Et cette conscience, cette responsabilité, elle vient surtout de l'observation des processus de ton cœur, des émotions et des sentiments qui vibrent. Tu dois laisser ton cœur vibrer, respirer. C'est cela, maîtriser nos sentiments. C'est vraiment cela, gérer nos émotions. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite tout le meilleur. À bientôt. Saint-Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.